Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne French Resus Line. Donc voilà, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo découverte. Je vous montre une nouvelle espèce qui est encore arrivée à la maison. Donc les amis, je vous laisse le générique et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, donc comme je vous disais, donc juste avant le générique, j'ai rentré une nouvelle espèce. Donc là, on part plutôt sur de l'arachnide. Donc c'est une espèce d'araignée. Donc c'est la Viridasius sp silver striforme pour le nom. Donc je vais vous l'écrire en bas, ce sera plus simple. Je vais vous mettre 2-3 photos que j'ai prises sur internet, ça sera plus simple avant de vous la montrer. Donc voilà, c'est une vidéo que je tourne aujourd'hui, mais là l'espèce est arrivée donc déjà il y a quelques semaines. Donc je vais vous la montrer en vidéo. Je voulais vraiment qu'elle s'adapte en fait avant de vous la montrer, qu'elle prenne vraiment ses marques, qu'elle prenne ses repères dans son terrarium. Le terrarium, vous avez déjà pu le découvrir donc sur une vidéo antérieure où j'ai laissé 10 secondes de faim par justement mon bon vouloir. Donc voilà, donc je vais vous mettre donc la vidéo de son introduction dans le terrarium, de son terrarium en général. Je vais vous parler donc juste après la présentation du terrarium de comment je l'ai fait, avec qui je l'ai fait, parce que c'est le premier terrarium bioactif que j'ai fait. Donc voilà, donc je l'avais fait avec quelqu'un. Mais surtout, je voulais vraiment partir sur une espèce d'araignée qui était vraiment belle donc à première vue. Je vais vraiment donc me diversifier donc sur les araignées. J'ai vraiment envie d'apprendre sur plusieurs araignées. Je voulais d'abord partir sur une Phidippus regius. Mais je suis parti sur autre chose, j'ai vraiment craqué sur l'araignée que je vais vous montrer. Et je trouve vraiment que c'est vraiment une belle espèce, même à observer, à chasser, c'est vraiment une très très belle espèce. Donc moi je suis parti sur une femelle, donc que j'ai acheté directement sur un site donc, qui s'appelle Isopodmania. Donc je l'ai acheté directement sur leur site, elle arrivait en pleine forme, elle arrivait donc dans un carton qui était chauffé, très bien protégé, aucun souci avec l'envoi. Donc si vous voulez commander des insectes, n'hésitez pas les amis, Isopodmania, je vous fais un petit placement, mais c'est Isopodmania les amis. Ils m'ont, j'ai vraiment acheté la bête en fait, et je vous fais un retour donc vraiment parce que je suis convaincu, donc enfin je suis très très satisfait de l'envoi qu'ils m'ont fait. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, je vous laisse les quelques images parce que là depuis tout à l'heure je parle et je m'arrête pas. Je vous laisse les quelques images les amis et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, j'espère que les images elles vous auront plu. Donc le terrarium les amis, je l'ai fait avec un ami donc chez qui j'ai été faire une visite abonnée. Donc la visite abonnée qui se retrouve donc dans mes vidéos avec Sébastien, donc qui est venu donc chez moi faire le petit terrarium. À savoir que c'est un terrarium donc Exoterra de 30 par 30 par 30, donc 30 au cube, et c'est vraiment en fait un terrarium idéal donc pour cette espèce. En conseillé, on avait à peu près 15-20-20, mais moi je voulais, j'avais vraiment prévu un 30-30-30, donc j'ai gardé ce terrarium là. Même si c'est un peu grand pour elle et ce qu'elle avait prévu, après, moi je suis pas contre la place donc qu'on lui fournit. Donc voilà, donc on est parti sur un terrarium bioactif. Donc le bioactif, donc j'ai mis donc mes billes d'argile au fond pour drainer.
Je suis venu mettre donc un géotextile, enfin on est venu mettre, vu que je l'ai fait avec Sébastien, on est venu mettre un géotextile par au-dessus, de la terre de bruyère mélangée avec de la sphaigne. Et après cela, donc j'ai fait mon décor, j'ai placé mes plantes, on a introduit donc des color balls pour gérer le bioactif justement. Et après ça, du coup, je l'ai laissé tourner 2, 3 semaines, 4 semaines en attendant de trouver donc l'araignée qui me fallait, qui me plaisait vraiment. Et donc voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai pris la Viridiasus. Donc, c'est vraiment une araignée qui m'a plu au premier regard. Donc, je l'ai pris, elle est arrivée à la maison et là, maintenant, elle est dans son terrarium. Donc, j'ai pas mis de point chaud donc, dans son terrarium. Son terrarium, donc j'ai mis un éclairage LED au-dessus pour vraiment avoir une pousse des plantes qui est assez conséquente. Donc là, les plantes, elles ont quand même bien poussé depuis que je l'ai installée. Après ça, donc j'humidifie quasiment tous les jours mon terrarium. J'évite d'humidifier donc directement sur l'araignée, mais j'humidifie donc toutes mes plantes, tout mon sol directement en fait avec un vaporisateur. Donc là dans ma pièce, il fait à peu près 26 degrés. C'est pour ça que j'ai pas mis de chauffage à l'arrière ou sur les côtés. Le terrarium il est très bien ventilé, donc il n'y a aucun problème avec ce terrarium-là. Même au niveau du bioactif, il tombe vraiment bien et je suis vraiment vraiment satisfait du travail que Sébastien donc a apporté sur ce petit terrarium-là. N'hésitez pas les amis à aller voir donc sa petite page Instagram, je vous la mettrai dans la description. C'est vraiment une personne bien qui pourra vous donner de bons conseils si vraiment vous en avez besoin. Donc voilà les amis. Donc j'espère que la nouvelle espèce elle vous aura plu. Ben voilà, première araignée donc à la maison, c'est une femelle. Donc j'avais posté quelques photos sur des groupes d'araignées donc sur Facebook directement et ils m'ont très vite répondu. Je vais vous mettre les photos que j'avais postées où vraiment ils m'ont dit bah, il y a ça qui fait qu'on est que tu trouves avec une femelle. Donc voilà, donc je vais vous laisser donc quelques petites images de fin, les amis, et j'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu, que l'espèce elle vous aura plu. Déjà, je vous avais montré le Triblonatus et le Viridis, c'est des vidéos qui vous ont très très plu. J'ai eu de très bons retours sur ça. J'ai eu vraiment donc pas mal de très bons retours et j'en suis vraiment vraiment satisfait. Donc j'espère vraiment que l'araignée elle vous aura vraiment plu, les amis. Donc je vous laisse avec les quelques images de fin. N'hésitez pas à vous abonner les amis si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager donc sur les groupes Facebook, sur les pages et ainsi de suite. Les amis, partagez un maximum les vidéos. C'est vraiment ce qui nous fera monter. Donc voilà les amis. Donc je vous laisse les quelques images de fin. Laissez votre avis en commentaire, que ce soit sur le terrarium ou sur l'araignée. Et voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. À la prochaine!